Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode 2, nous avons fait le tour d'un flash Cobra. Nous allons dans cet épisode 3 vous permettre de pouvoir choisir entre un flash manuel ou TTL. Allez, go! Vous avez peut-être sauté le pas. Bon, pas comme lui, je l'espère. Et envisagez d'acquérir un flash Cobra, et c'est une super bonne nouvelle. Vous êtes nombreux à hésiter et à vous dire que c'est trop compliqué à utiliser, alors prenez ça comme un jeu. Apprenez les bases du fonctionnement d'un flash et shootez. Il n'y a que comme ça que vous évoluerez et apprendrez de vos erreurs. Et entre nous, nos plus gros blocages ne nous les infligeons nous-mêmes, non? Allez, reprenons gaiement. Avant de commander votre flash Cobra, de le recevoir et de vous dire « zut, il ne fait pas ce que j'aurais aimé », vous allez devoir vous poser deux questions. Enfin, plutôt trois. La première sera de savoir si votre compte en banque est en positif. Et là, malheureusement pour vous, je ne pourrai pas y faire grand-chose si c'est le contraire. Quoique, allez, mode zen. Je peux néanmoins t'encourager à ne pas lâcher l'affaire et à rester positif quoi qu'il se passe. C'est important d'être dans le mouvement et la positivité. Oui, oui, vraiment. Souvent, après un échec ou parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on souhaite, nous nous rendons mal. C'est limite de l'auto-sabotage. Donc, la prochaine fois que tu as une pensée négative, que tu penses ne pas pouvoir le faire, que ce soit en photo ou dans la vie en général, ne jamais pouvoir te payer telle ou telle chose, arrête, change ta façon de penser et vis au présent. Regarde autour de toi, respire profondément. Tu as la chance de pouvoir le faire et lâche prise. Concentre-toi sur l'essentiel, être heureux et ne fais que penser positivement. Tu verras, très souvent, ça change beaucoup de choses. Allez, je referme le moment zen développement personnel. La seconde question à vous poser sera de réfléchir à ce que vous allez vouloir shooter avec votre flash. Car entre un reportage de mariage le soir pendant la fête et faire des photos de packshot ou de portraits dans une boîte à lumière, il va y avoir une grande différence. Et vous n'aurez pas forcément besoin du plus évolué des flash Cobra. Même si de nos jours, grâce à certaines marques, les flashs fortement équipés sont très accessibles au niveau tarif. Et troisièmement, il va donc falloir réfléchir à prendre un flash manuel ou TTL. A titre d'info, les constructeurs ont donné un nom à leur propre technologie TTL. Canon l'appelle l'ITTL, ETTL, Nikon ITTL, mais ITTL, et PTTL pour Pentax, etc. Parlons d'abord des flashs Cobra manuels. Un flash manuel devra être réglé manuellement, avec vos petits pouces. Et tant que votre sujet ne sera pas éclairé convenablement, vous devrez le régler, en ajoutant ou diminuant sa puissance. Du coup, une fois la puissance réglée, si vous ne changez plus de réglage et que la distance entre votre flash et votre sujet reste la même, eh ben, la puissance de la lumière sera toujours la même. Hormis si vous changez sur votre boîtier, vos ISO ou votre ouverture. Là, ça aura une incidence directe sur la lumière et le résultat de la photo. Alors qu'en réglant la vitesse d'obturation sur votre réflexe, ça aura aussi une incidence mais sur la lumière non impactée par votre flash, donc en gros l'arrière-plan. J'entrerai plus dans les détails dans un autre tuto. Retenez simplement que, si par exemple, en réglant votre réflexe en mode manuel à 1 centième de seconde, F8 et ISO 100, et votre flash manuel sur un quart de sa puissance, et que là votre photo est bonne, hein, le sujet est bien éclairé, les réglages que je vais vous citer ensuite auront une influence sur l'intensité de la lumière du flash, et donc sur le résultat final. Si la distance entre le flash et votre sujet change, vous devrez adapter les réglages de votre flash, car ils ne seront plus bons. Si vous décidez de changer l'ouverture de votre objectif pour passer de F8 à 2.8, afin d'avoir une profondeur de champ plus faible, vous devrez re-régler votre flash au niveau de sa puissance. Si vous montez ou descendez les ISO sur votre boîtier, ça aura une influence directe sur toute la luminosité et l'éclairage de votre photo. Et pour finir, donc ce que je vous ai dit juste un petit peu avant, changer la vitesse d'exposition sur votre boîtier aura aussi une influence sur l'image finale, mais uniquement sur la lumière non impacté par votre flash, ce qui, entre autres, vous permettra d'isoler plus facilement le sujet en tuant la lumière extérieure. Votre sujet donc sera détaché par rapport à l'arrière-plan. Mais nous verrons tout ça en détail avec des exemples concrets très rapidement. Retenez donc que l'inconvénient du flash manuel est qu'il va falloir faire plusieurs photos et donc à chaque fois régler votre flash pour atteindre l'éclairage souhaité et également regarder à l'arrière de votre appareil photo si la photo est bonne. Néanmoins, vous pourrez éviter de tâtonner pour régler votre flash manuel en utilisant un flashmètre. J'y reviendrai très certainement dans un épisode suivant. Bon, sinon, en attendant, allez voir la chaîne de Tom Migo qui s'appelle La Photo Academy. Il y parle de flash et vous trouverez plusieurs vidéos dans lesquelles il parle de flashmètre. Donc,
Hormis pour une prise de vue pour laquelle vous avez le temps de régler votre flash, il y a des situations comme la photo de mariage où vous n'aurez pas le temps de peaufiner tous vos réglages. Et vous aurez donc intérêt à utiliser un flash TTL. Donc ça, c'est l'option numéro 2. Flash TTL qui veut dire en anglais « through the lens », avec mon superbe accent anglais, ce qui signifie « à travers l'objectif ». C'est un flash en fait qui va adapter automatiquement l'intensité de l'éclair qu'il devra délivrer en prenant en compte les informations que votre boîtier va déterminer au niveau de la mesure de lumière et ainsi vous offrir un sujet correctement éclairé. Pour faire court, le flash TTL va être en relation directe avec les réglages que vous allez faire sur votre réflexe. Quand vous allez appuyer sur le déclencheur, un pré-éclair que vous ne verrez pas va éclairer votre sujet et selon ce que va indiquer votre réflexe niveau luminosité perçue, le flash va être réglé par votre réflexe afin de diminuer ou augmenter la puissance de l'éclair principal. Tout ça pour vous permettre d'avoir un sujet bien exposé rapidement sans vous prendre la tête. Le TTL, c'est un mode automatique qui, lors d'un reportage de mariage, par exemple, sera vis-à-vis d'un flash manuel d'une extrême utilité, car vous pourrez vous concentrer sur vos sujets et non sur les réglages de votre flash. Enfin, certaines fois, le TTL a ses limites et il faut quand même savoir prendre la main et lui indiquer certaines choses. Et oui, votre flash, malgré sa technologie, ne sait pas ce que vous souhaitez photographier. Sur mon flash Nikon SB800, on trouve deux modes TTL. Un qui prend en compte l'ambiance de la scène, et l'éclair également donc, et l'autre éclaire principalement le sujet. Sachez que lors de l'achat d'un flash pour votre réflexe, hormis pour les flashs de la même marque que votre boîtier, vous trouverez chez les revendeurs des séries dédiées aux réflexes Nikon, Canon et les autres. Par exemple, dans la gamme Yongnuo, les flashs dédiés à Nikon sont spécifiés par la lettre N. Pour les réflexes Canon, ça sera la lettre C, etc. Pour finir, qui peut le plus, peut le moins. Donc, en achetant un flash TTL, vous pourrez également l'utiliser en manuel. Tout dépend de l'utilisation que vous aurez à en faire. Faites donc un point, posez-vous, faites la checklist de vos besoins avant d'acheter un flash. J'espère que mes explications auront allumé quelques lumières là-haut dans les méandres des réglages et de l'utilisation d'un flash. Voilà, mes allumés de pixels, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors maintenant sortez et shootez. Bye.